Elles sont en train de se bastonner, en tout cas, elles sont en train de se bastonner. Donc, bon bah, salut à tous. C'est bon? Ah, non, c'est pas fini, les petites explosions. Alors, qui va gagner? Je pense personne. Il va falloir, vraiment falloir que j'intervienne pour trouver un gagnant. Et ce sera forcément mon équipe, parce que mon personnage, le russe Ivan, il est baraqué. Donc, salut à tous et bienvenue dans cette troisième partie de Devil's Ford, en fait. Où nous sommes, je ne sais où. En Asie. ou alors merde. Oh mon dieu, c'est mon tatouage. c'est là. J'étais voir le tatoueur, il était juste en face. Là. Et je lui ai dit, ça, tu me fais ça. Donc allez, on retrouve notre tatoué qui suit en fait. Mais je sais, ils avaient dit où ils allaient. Qui suit en fait son élève. Donc la blonde au sniper. Puisqu'il lui a envoyé une balle qui permet de la tracer. Et qui est avec l'organisation que je cherche à traquer. Bon, alors, on va reprendre les armes. Voilà. Et, putain, qu'est-ce qui se passe? La camionnette sur laquelle on s'abrite tous. C'est du solide, hein. Ça doit être ça, la Dodge Qualitat. Poc. Peut-être ça manque de petits mouvements dans ce jeu, des fois. Genre, tu vois, T'es contre un muret, il y a un mec derrière, et ben. Tiens. Et ben bim, tu peux le choper, tu vois. Ça manque de ce genre de choses. Putain, mais c'est. On dirait que j'ai un coup de fil. Quand ce truc vibre, ça fait vraiment le. Je sais pas si ça s'entend, c'est hyper désagréable, quoi. Merde, ta gueule. Mais qui quoi? T'as reçu un SMS? C'est le salon de tatouage. C'est Ivan, on a de la place pour toi. Oh, je vais pouvoir me faire tatouer le kanji de mes rêves. Bon. En tout cas, c'est joli ici. Enfin, une petite ville. Un peu enneigée, il fait froid, c'est bien, on sent chez soi. Mon perso n'est bien sûr pas à poil. Hein. Oh putain! Pourquoi mon personnage a survécu? Attends, c'est des grenades. Voilà. Oh là là, mais c'est pas possible. Elles étaient pas si gênantes avant ces vibrations là. Je sais pas ce qui se passe. Tiens, alors, attendez, vous savez, c'est la grande spécialité du jeu. Voilà, on peut faire des attaques un tout petit peu sanglantes. Donc, alors, je vais pas récupérer. J'aime bien l'arme que j'ai, je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien. Je peux juste monter sur le camion. Il y a des murs invisibles partout. Regardez. Voilà. Ah, je peux pas y aller. Tiens. Alors, je me fais toucher par un sniper, c'est ça? C'est ce qu'il a dit, monsieur? Pour l'instant, je suis comme un con. Hein. Je sais pas où je vais. Si j'entends des coups de feu, moi j'y vais. Hein, je suis. Mais merde, qui c'est qui me tire dessus? Mais. On va en chier. Une suggestion, qu'est-ce qui se passe? Ouh putain, qu'est-ce qui se passe? Alors des fois par contre, c'est ce que je disais la dernière fois, le jeu essaye d'être impressionnant, il n'y arrive pas, mais il te fait assister à des scènes genre de destruction, de trucs comme ça. Bon, c'est dommage que c'est raté, hein, c'est dommage que bon, bah, c'est moche. C'est moche, puis tu le sens, le script est toujours pareil, quoi. Allez, hop, oh! Oh putain. Putain, j'ai eu doublement de chance là. Je veux dire, normalement. Ah! Normalement, je veux dire, on t'envoie un tir de roquette. Normalement, on t'envoie un tir de roquette, t'es mort. Voilà. Tu arrives à survivre à un tir de roquette. Où la roquette, elle était tirée, il y avait ton front devant. Voilà, tes chances de vie qui étaient déjà bien fines, ça me nuise. Et moi, j'ai réussi à réchapper à ça deux fois. Ivan, c'est juste un tank humain, quoi. Par contre, regardez, toutes les bagnoles sont en train de flamber, hein. C'est-à-dire que si on tire suffisamment de vue, ah là, elles commencent à prendre feu et puis à s'exploser, j'imagine. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de dégâts localisés, genre. Voilà. La voiture, elle est toute pourrie. Par contre, la vitre, c'est carglace, quoi. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont détruit le bâtiment juste en face de moi. Mais
y a un problème avec les vibrations, c'est sérieux, parce que ça arrête pas là. C'est très désagréable. Entrer dans l'église en ruine. C'est ça, c'est une église, hein. Ah oui, ouvrir. Ah, ok. Bah, effectivement, j'avais pas vu ça de l'extérieur, mais oui, c'est bien en ruine. Oh, putain, mais comment ça rame, c'est un truc de fou. Ça fait mal au cœur de voir une église dans cet état. Effectivement, elle m'avait l'air bien jolie, cette église. Ah non! Ah non, putain! Ah non! Ah non, je rattrape les chauves... Ah non, pas les chauves-souris, quoi! Mais c'est les pires ennemis! Ça bug, on dirait. C'est les pires ennemis du jeu, les chauves-souris. Je peux grimper là ou pas? Non, je peux pas. On dirait, mais non, je peux pas. Je rappelle que... Hein, le premier épisode, j'avais eu quelques ennuis avec les chauves-souris. Je crois qu'il faut que j'aille là-bas. Où je regarde. Ah non, c'est là que... Alors, je vais regarder par là, alors. Dans l'église. Ah, un document. Un bouquin. J'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas réussi à lire. Trop petit. Ah, cinématique. On est bien chanceux. Ah, ils ont fait un bûcher. Putain, merde. Ils ont cramé tout le monde, les cons. Ça me plaît. Alors ça me plaît, je sais pas du tout comment ça se joue. D'accord, une espèce de lance-missile de l'enfer. Putain, ça a l'air trop bien, quoi. Voilà. Oh là là. Oh, le carton. Ah non, pas un carton du tout, en fait, j'ai pas réussi à les avoir. C'est quoi? Ah, des... Comme une batterie de missiles là, le truc solaire, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, mais attends, par contre, c'est un peu difficile à viser avec ça. Je suis dessus là ou pas? Ouais, je crois que je suis dessus. Voilà, c'est bon, détruisez le véhicule ennemi. Ça va, c'était pas trop compliqué. Alors, si j'étais encore à mon poste, ça m'arrangerait. Putain, non, j'y suis plus. Pourquoi il m'a demandé de me ramener, bordel? Il était pas au courant qu'il y a des ennemis qui pourraient venir. J'étais bien, moi, là où j'étais. Là, je me serais imaginé. Regardez comment ça rame. Ah, ça va mieux. Oh, mais c'est fou. C'est fou. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis bloqué, là? Cette vibration là qui va me rendre fou aussi. Alors là, il y a des gens. Qu'est-ce que c'est? Ah, je me suis fait tuer. Bon, vous avez quoi? On va foncer. Parce que c'est là, il y a des gros missiles. Putain, je sais pas d'où ça vient, ça. C'est des avions, je sais pas quoi. Donc, ouais, ça sert à rien de lutter. Voilà, il y a mes copains qui ont tout compris. Ils sont rentrés, eux. Hein. Allez, puis fermez la porte, il fait froid. Oh putain, des ninjas! Ah, ils sont un peu relous ceux-là. Alors par contre, ils ont des coucris. Ils sont de bonnes armes. Ah non, ils les ont pas donné, je sais pas pourquoi. Je suis en danger. Je sens que cet homme avec sa hache en veut à mon intégrité physique. Oh, il a fait un malaise. C'est triste quand même, hein. C'est triste. C'est triste surtout quand tu vois que c'est un jeu de Itagaki, quoi. Je veux dire, le mec, il a fait des jeux qui sont encore... qui sont légendaires, hein. Ninja Gaiden, ça reste le top du beat'em all et... voilà, c'est d'une difficulté absolue, mais faut... Voilà, des Ninja Gaiden, il faut... Tu dois être rigoureux pour savoir y jouer, tu vois. Et là, t'arrives à un truc où le... Ah, un violon. Allez, joue.
T'arrives à un truc où le mec il est coincé par une table, par un comptoir quoi. On est dans. Ouais, c'est un hôtel ça, c'est ça? Ah, ouvrir cette porte. Attendez, est-ce que je peux ouvrir les autres? Je peux ouvrir cette porte, allez savoir pourquoi. On saute. Oh là là, c'est quoi ça? C'est Billy. Hey, wait. Oh là là, genre il y a des genres de, enfin je sais pas, des zombies dans ce jeu. Tout à l'heure j'ai eu un soupçon parce que on a vu vite fait un mec qui était en flamme, qui s'est relevé pour poursuivre ses meurtriers. Mais c'est quoi? Ah non, ça c'est Sam, pardon. Attends, il est rentré là-dedans. Je regarde vite fait s'il n'y a pas d'autre chose. Ah, un bouquin collectible que j'arrive pas à récupérer. Allez savoir pourquoi. C'est quoi ce délire? Il faut monter sur la bagnole pour le récupérer. C'est ouf ce jeu, c'est ouf. Easy, we're not going to hurt you. Hey. Oh là là, se dégager. Merde. Ouais, en fait c'est ça, c'est genre des zombies. Whatever it is, it's not human. Major, sending an image for evaluation. Je m'attendais pas en fait au QTE comme ça. Roger that. It may be connected to the SOD attack. Mais genre il est encore vivant en plus. Enfin il bouge un peu, enfin vivant je sais pas, c'est peut-être nerveux après tout. On dirait que le mec bah, en tout cas il est pas tout à fait mort quoi. Ok. Ah, une petite flasque de whisky. C'est bon, hein. Alors attends, je peux descendre, mais il y a aussi. Attends, mes hommes ils sont là. Et ça, bah non, ça c'est là où il y avait la bagnole et tout. Pas la peine de redescendre. Ça, qu'est-ce que c'est? Un VSS. Comment que? Attends, j'avais déjà un sniper avec moi, donc je vais le prendre. On sait jamais. Ça a l'air plutôt costaud. Ah bah je vais le tester justement dès que possible. On va faire des sprouts. Alors les sprouts, c'est quand tu vises la tête et que ça fait sprouts. Voilà. C'est dans le dico du Bahama, hein, vous pouvez chercher. Oh putain, ventilateur, on en a tellement besoin en ce moment. Ah, il est gentil, il a ouvert la porte alors que tout était pété. J'étais tellement certain qu'il allait passer dans le. Par l'ouverture créée par le. Bah par le verre qui était plus là quoi. Oh putain! Éliminer les forces ennemies sur le pont. Moi j'ai wapé. Attends, elles sont genre là? Ah oui, elles sont là. C'est des tanks. Vous voulez que je fasse quoi contre des tanks? Attends, y a pas un lance-roquettes qui traîne? En voilà d'autres? What? Mais je fais quoi? Mais... Même si mon sniper il est tellement puissant que je peux détruire ce machin là? Pas l'air, hein. Mais il y a des tanks en face de moi, je suis censé faire quoi? On n'a pas la puissance de feu pour lutter, je suis bien d'accord. Et je fais quoi? Bon bah je crois que je dois attendre. Oh putain. Alors j'ai entendu une... Nick fait leur mal. J'ai entendu une bagnole ou je sais pas quoi arriver. Le drone n'est pas loin.
J'ai quelques soucis avec les défenses aériennes. Ah, qu'est-ce qu'il s'est foutu là? Hop, allez, je me transforme. Mode badass. Allez, badass, Eddie. Oh, j'en ai pas eu besoin. J'ai pas réussi à enclencher mon mode badass. Ah là. Oh, mais j'ai eu trop de chance. Système de ciblage. Ah, d'accord, c'est donc pour ça. Attends, attends, j'arrive. Hop, alors. Ah là. En fait, il fait ça, et ça, le jeu ne nous le dit pas à chaque fois, mais il a des lunettes vraiment spéciales, on l'a vu en début de jeu. Hein. Il a des lunettes qui lui permettent d'avoir des vues, enfin une vision assez... comme ça, là. Je sais pas comment dire, moi. C'est les lunettes de l'agent du FBI dans Heavy Rain. Éliminer l'effort sur le pont, voilà. Ils ont eu de la chance. Not bad. Lui, il est content. Ouh, c'est bien. Voiture volée. Comme quand moi faire rêve bizarre. All right, one at a time, down the hatch. C'est quoi, on va vivre les genre les métros, je sais pas quoi, pour être un peu cliché de jeux vidéo. Le complexe souterrain, j'ai rien dit. Quoique le complexe souterrain, c'est quelque chose qu'on voit déjà pas mal dans le jeu vidéo. Hein. On les connaît bien, ces fameux complexes. Le plafond risque de s'effondrer. Bon, quand tu vois ce qu'il y a à la surface, ça, tu te dis ouais. Oh, putain! Mais c'est pas des chauves-souris, ça, putain. Regardez comment c'est mal fait, elles ont disparu juste là. Elles ont même pas été jusqu'au fond, tu vois, du couloir. Et puis ça, c'est pas des chauves-souris, c'est surnaturel, c'est un fantôme, c'est un vampire, je sais pas. C'est pas comme ça, les chauves-souris. Les chauves-souris, elles t'agressent pas comme si c'était un russe, justement. Barre. Oh, tiens, allez, on va se reprendre une petite barre à mine, ça me manque. C'est la première arme que j'ai trouvée, du coup, bah, voilà, je me sens nostalgique. J'aime bien les barres à mine. Finalement, on se lasse vite du katana que j'ai dès le début. Parce que c'est l'arme de base hein, de Ivan, mais... Il n'y a aucun feeling avec cette arme, quoi. Regardez-la. Oh, putain. J'aime cette arme, voilà. En fait, c'est comme la masse. Oh, mais regardez cette tuerie. En fait, c'est exactement comme la masse. Les mouvements sont presque les mêmes. Tiens, là, il y a une machette. Non, je prends pas. Je pense que maintenant, ouais, je vais garder que des... couteaux. Je vais garder que des armes lourdes. Des armes contendantes. Contendantes. Tiens, la hache. J'ai jamais testé la hache. Ouais, essayer la hache. Contendante. Ouais, c'est ça. C'est contendant. Je sais plus. C'est pas grave. Les armes qui font peu. Voilà. Oui, le bruit, c'est peu. Oh putain, la hache a l'air pas mal du tout aussi, hein. Les mecs, ils étaient là avec leur pauvre lance-flamme. Je les explosais, quoi. Il y a encore le... Attends, ils avaient un lance-flamme, justement. Attends, moi, j'ai un V machin, là. Attends, c'est quoi, le... Ça veut dire que c'est un lance-flamme, ça, là? Ah, la lance-flamme. Eh, moi, j'aimais bien le lance-flamme, il est cool. Ils étaient en train de cramer des gens. Putain, ils étaient en train de cramer les gens qui étaient enfermés en prison, quoi. Je sais pas pourquoi. Ah, un petit passage là, il y a forcément... Ah, il y a un truc à récup, qu'est-ce que c'est? Je dirais un gros couteau suisse. Ah non, c'est un tramway. On se demande où ils mettent toutes ces affaires, hein, Evan. Ah, ils sont déjà passés ici, il y a des gens morts. Brûlés. Oh putain! Bon bah du coup ça explique pourquoi il les crame! Brûle! Vilaine chose! Ah! Ça y est, j'ai plus de...
Munition de lance-flamme, parfait. En fait, je me demande même si le flingue n'était pas plus utile finalement. C'est quoi ces trucs, quoi ? C'est des sortes de... Putain, merde, ils nous ont foutu des zombies dans le jeu. Il y a tout dans le jeu. Il y a un remède qui transforme en... enfin, un remède, un sérum qui transforme en mec badass avec des muscles partout, même là où il n'y en a pas. Oh ! T'as des zombies... En fait, non, t'as pas de zombies. Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est quoi cette chose moche? C'est quoi cette chose moche et con d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Ah, je crois que mes collègues sont invulnérables, hein, on peut pas les tuer. Bon. Allez. Oh! Ah, on peut faire quand même le petit mouvement contre les grosses bestioles. Qu'est-ce que c'est? On dirait Splinter de Tortue Ninja, mais genre on lui a arraché les poils. Puis on lui a injecté des stéroïdes aussi, il est bizarre le truc. Putain, ce jeu est chelou quand même. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bah, quand on a vu... Quand on a vu qu'il empruntait au scénario militaire, on s'est dit, voilà, quand t'as tout vu. Pas peur. Ok, moi avoir peur. Toi ressembler à maman, à moi, quand était être petit. Et tiens. D'ailleurs, le finish est pas mal, je trouve. Alors, je sais pas s'il a le même à chaque fois ou si ça varie en fonction des ennemis. Ce serait logique que le finish soit différent en fonction de l'ennemi qui est en face de toi, quoi. Oh là. Oh, attends. Voilà. Ah, il y a des petits. Alors lui, il est pas tout à fait transformé en fait. Je pense que j'ai pas grand chose à craindre de ce truc là. Ouais. Oh, il se tripote, gros dégueulasse. Oh là, oh là, oh là. Laissez-moi rentrer. Les mecs, ils ont fermé la porte derrière. Ok, Ivan, t'y vas? Les deux, ils sont derrière, ils écoutent, font. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Sam, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Dick, j'entends pas. J'entends Graou. Ouais, j'ai plus rien là. Alors, attends, va falloir que je change d'arme. En fait, c'est cool qu'on puisse avoir plusieurs armes sur ça. Bon, c'est logique en même temps. Voilà, bim. Voilà. Ouais, ça, c'est dommage. Par contre, ils auraient pu mettre plusieurs finishes, même pour chaque créature. Mais attends, mes copains, ils sont où? C'est pas drôle. on ressort. D'accord, ça va être marrant maintenant s'il faut se friter à ce genre de bestiole. Ah! Hein? Il a fini par ouvrir la porte? Genre lui il est dégueulasse, il a des gros bubons là. C'est une blague, ouais, je me pose la même question. Alors on va tiens, allez, hop, mode badass. Faites pas chier. Alors le mode badass, je pense qu'il se recharge à chaque fois que je tue un ennemi. Ah, je sais pas, hier il a duré très longtemps. Et je pense que ça marche comme ça en fait. Plus on tue d'ennemis, plus on peut conserver son mode tatou brillant longtemps. Je crois que là c'est dommage parce qu'il y avait que cela à tuer au corps à corps. Mais ça m'a permis de pas gaspiller mes précieuses munitions. Aïe! Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, attends, là c'est des petits, lui on s'en fout. Oh! Oh! Ah, mais c'est une femme? J'ai vu un soutif, je crois. Non? C'est quoi? Hein, je suis pas sûr du tout. Et puis en même temps, Fatune, les créatures sont moches, mais... Enfin, vous avez vu la résolution du truc? Vas-y. Allez, Ivan, essaye de bien viser, s'il te plaît. Et puis avec le sang vert, ce qui fait beaucoup penser à House of the Dead, par exemple, de Sega.
Hey, là par exemple, étant donné, ça c'est cool, ça veut dire que s'il y a un mur derrière ou un obstacle, il va Ah, j'ai cru que l'arbre était en train de se détruire. Il va faire en sorte de changer l'animation de la mort du truc. Ce qui est pas mal. Ce qu'il y a, c'est que c'est trop rare, quoi. Parce que c'est la première fois que je vois ça. Hein. Parce que oui, il a poussé l'ennemi contre l'arbre et puis là, il l'a terminé contre l'arbre, quoi. Let's split up. We'll check the west side. Ivan, you take the east. Nick, go with Ivan. Yes, sir. Ok. Fouillez l'hôpital. Très bien. Attends, il y aura bien quelque chose là si je... Non ? Putain, ces murs invisibles partout, mais ça sert à rien. Enfin, ils ont modélisé l'endroit, juste ils nous permettent de le visiter, comme ça ils planquent un truc dedans. Parce que là, je sais pas, ça me... C'est frustrant, en fait. Bon, évidemment, on est dans l'endroit où ont été créés les zombies, je sais pas. Parce que ça a l'air un peu médical. Ah. Voilà, il y a un mec mort sous la douche. C'est que l'eau était trop chaude, je pense. C'est quoi? Ah, c'est un lance-flamme, je crois, non? Ouais, un lance-flamme. D'ailleurs, lance-flamme, ouais, tiens, je vais prendre le lance-flamme. Oh, putain! Il m'a fait peur, ce con. Oh! Il m'a tué? Ouais, je sais, qu'est-ce qu'il fait avec son bras, là? Tarba. Hop, raté. Ça y est, il est mort. On dirait que quelqu'un a fini son travail. Derrière son sac à dos, j'ai cru qu'il y avait marqué 404. Ce soldat n'existe pas, quoi. Bon, contre le lance-flamme, c'est pas hyper efficace. Putain, évidemment que ça se détruit pas. Un truc en verre, mais non, ça, c'est, voilà, c'est par balle, évidemment. Parce qu'on est dans un hôpital, donc il faut que ce soit par balle. Oh! Mais c'est quoi ces trucs moches? Bah, à la limite, bon, je tolère les zombies. Mon collègue, putain, heureusement que je suis là parce que sinon. L'équipe devra casser, regardez! Là, mon personnage, j'aime bien, il assiste à la bagarre, genre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il fait des belles roulades. C'est son skill sur Dark Souls qui parle. Attends. Allez, petite grenade. Ah. Bon. On va le terminer. Hop. Avec un petit coup de hache dans le cul. Et un petit bug. Oh. J'aime bien quand ça fait ça. Regardez, c'est rigolo. Il est encore vivant, mon dieu. Mais jusqu'où vient-il aller? Oh mon dieu, il a été à l'étage, on va peut-être le retrouver. Là-haut, vous imaginez qu'il y a peut-être des gens qui sont là. Ah, il a disparu! Il a disparu! Voilà, Ivan le magicien russe. Bon, bah voilà, on ne reverra plus jamais cette chose. Alors. Ah. Et on descend dans les sous-sols de l'eau. Alors c'est là où il y a les expériences bizarres, non? Ah, alors déjà il y a lui. Attends, il y a l'air d'y avoir... Ça explose ce truc là, non? Je sais pas si ça explose ou pas. Vous me chargez ou pas? Ouh. Ah, ça explose. Putain oui, ça explose. Oh! Ah, ça explose bien même. Je suis mort? Ah putain, il y en a un qui... Genre, ils sont dans les murs! Voilà. Oh putain,
Ils sont combien? Ils sont combien? Ah! Popper! Allez, là, je pense que je les ai suffisamment blessés avec mes bonbonnes. Ah, je voulais toucher le truc rouge qui est derrière, mais vu que la visée est un peu automatique, bah j'y arrive pas. Ouais, ça me gêne en fait. Et il va viser l'ennemi en priorité et donc ça c'est gavant. Bon, en fait ça va, ça se passe bien, regardez, c'est que des petits, c'est des petits blonds. Poc. Alors regarde, lui il a une infection au bras là, va falloir soigner ça. Ah putain. Oh. Attends, j'ai pas été tué par les gros, c'est pas toi là, espèce de babe tout fragile qui va me buter hein. Mais merde, c'est pas vrai, mais lui il est costaud quoi. Mais... Voilà, comme ça c'est réglé. Tiens. Voilà, comme ça on est sûr. Putain, lui il m'a fait peur là-bas au fond. C'est marrant comme t'arrives juste à la fin, toi. Alors, on est dans une salle d'autopsie, je crois. Ouais, il y a les casiers et tout, les casiers mortuaires. Un ascenseur. Fouiller l'hôpital. Ah, j'imagine qu'il n'y a pas de courant. There should be emergency generators. It's a hospital for Christ's sake. C'est marrant, ce personnage là qu'on voit avec les lunettes, il s'appelle donc Nick, me rappelle de ouf Chris Redfield de Resident Evil 6 en fait. Enfin, bien sûr, Resident Evil 6 où il est ouais, il apparaît, je crois qu'il est le genre looké soldat un petit peu. Ou alors c'est peut-être Revelation, parce qu'il a pas, il a des lunettes aussi comme ça, une sorte d'après-ski là. Et à chaque fois que je le vois, j'y pense. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils ont mis une vitre au mur, on va savoir pourquoi. Ouais, je regardais s'il n'y avait pas un truc explosif. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok, il n'y a plus rien. Il me reste que le lance-flamme. Bon, bah, on va le cramer le gros rat. On va faire un rat burger. Je crois que... Ah non, il est en feu, mais... Ah putain! Mais c'est pas vrai, quoi! Ennemi à la con! Entre ça et le gamepad qui fait un bruit, mais juste pas possible. Je sais plus, je me demande si ça s'entend, hein, mais à chaque fois, je me sers. Vous trouvez ça normal, vous? Oui, ça fait depuis tout à l'heure, ça s'entend, c'est chiant. Parce que ça va gêner sur la vidéo, quoi. D'ailleurs, attends, moi je vais faire quelque chose quand même. Comment ça se passe? Bon, bah. Voilà. Vibration. Non. Reprendre. Ah, oui, ça fait du bien. Ça commence à devenir saoulant quand même un petit peu. Bon, alors, tiens, il y a. Ah, bah c'est le générateur! Je vais activer ce machin là, tu vas voir que ça va attirer des zombies ou des merdes comme ça là, des espèces de zombies vampires. Mais... Vous allez pas me dire que c'est pas un bug ça, c'est pas normal. Ah mais d'accord, ah ouais d'accord, mais on ne voyait pas le truc. D'accord, ok, j'ai rien. Ça a marché, je sais. Alors merci, tu m'as beaucoup aidé dans cette tâche, Nick. Voilà, puis surtout prends ton pan, hein, c'est bon. Putain, les alliés dans ce jeu, c'est une histoire, quoi. C'est incroyable. Bon. Oh putain!
Oh merde. Ah là par contre j'ai dû faire un... Ah, j'ai dû faire quelque chose de pas mal parce que j'ai touché les ennemis avant même qu'ils arrivent, donc il doit plus leur rester beaucoup de masse de vie là quand même. Oh là là, ailleurs par contre. Ah putain, il y en a pas mal encore. Et heureusement que j'ai ma super hache, moi. Ça aurait été d'autres armes, genre les Tomahawk là. Je serais pas arrivé, hein. C'est tellement de la merde, ces trucs. Bon, je vais pas utiliser ma jauge de badasserie. Parce que ce serait dommage, il reste deux ennemis tout petits. Voilà. Et bah voilà! C'est comme ça qu'on discute. Ah. Il transpire comme un bœuf. Oh là là. Par contre, sans déconner, vraiment. Mais je déconne pas, hein. Je pense que c'est les créatures. Au design les plus moches que j'ai jamais vus dans un jeu vidéo. Hein. Pourtant j'ai joué à des daubes interstellaires quoi. Mais là les espèces de, je sais pas c'est quoi ça. Au début ces machins là je pensais que c'était les humains qui avaient muté, mais en fait il est tout petit celui-là. Et lui là, qu'est-ce qu'il fait lui? Je peux pas lui abréger ses souffrances. Tu souffres? Attends! Oh, Evan ne peut pas faire quelque chose contre le mur invisible. Arme russe très puissante. Allez, Evan! Oh putain! Oh! Ok, ok, badass! Bim! Allez, là c'est le mode tatou. Non, mais là c'était le moment. C'est que là, il y a quand même du peuple face à moi. Alors, j'ai enfin pouvoir résoudre l'équation du tatouage. Est-ce que le tatouage, il se recharge quand je tue des gens? J'ai l'impression que vous voulez regarder. Là déjà, ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Ah ouais, je pense qu'en fait, quand je tue des gens, il ne se décharge pas. Je peux le garder à volonté à condition qu'il y ait encore des ennemis à se bouiller, quoi. Voilà, c'est... Ah, putain! Faudrait que ça compte, les chauves-souris. Putain, merde, je crois que les chauves-souris, ça compte. Ah non, ça compte pas. Mes tatouages, ils sont éteints. Ça va être pratique, la nuit, pour ouvrir une porte. C'est marrant comme le jeu prend un air de survival horror pourrave. Regardez, écoutez la musique. Oh, il va y avoir un boss là. Cobaye géant. Eh, je lui fais pas des masses de dégâts, hein. Je peux pas tirer, je sais pas, sur ces bubons. Y a pas un petit point faible là? Ah, le truc est dégueulasse. Je sais pas, ils ont pas prévu des façons de les tuer. Non, on dirait que c'est juste bourrin, quoi. Y a aucune subtilité dans les combats, regardez. Ah putain! Il s'est servi de moi, il a essuyé une tache au sol avec moi! Ah! Ouais, en fait, regardez, les boss sont vraiment tous tout simples en fait. D'ailleurs, bah, il a pas l'air de vraiment changer de technique et. Bah, mine de rien, je le touche quoi! Et bah, il lui reste plus des menaces de vie, enfin, un tiers. Allez, il reste quasiment plus rien. Hop. D'accord, je crois qu'il devient plus fort à mesure que je fais descendre sa vie. Parce que oui, il fait un mouvement des fois, genre, je suis plus puissant, je me prends pour Sangoku.
Voilà. Et merde, j'ai pas vu, j'avais pété ma hache contre lui. Et là, Ivan vient de reconnaître sa mère. Ah putain, Nick. Ils nous ont buté, Nick. Enfoiré, quoi. Je crois que... Nick, bah, il s'est fait niquer. Bon, 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 alors. Ah, mais c'est encore vivant, regardez. Vas-y, tape dessus. Ah, mais c'est immonde. Putain. Ah, en fait, ouais, ils nous ont mis des sortes d'infectés dans ce jeu, quoi. J'y croyais pas. On me l'aurait dit, j'aurais dit non, tu déconnes. Biometric readings on Nick. He's down. And I don't even know what it was that killed him. Stella, can you get into this system? I can try. Captain, plug your exosuit data link into the server. I'm in. These look like Soviet government reports to the Bioreparat. Search for transgenic medicines. Got it. Cancer formation in the stem cells of subjects treated with transgenic medicine. I assume those were some of their patients back there. Big Mouse was the SWORD's bioweapon specialist. Looks like he's working on something new to use against the Russians, and testing it on civilians, like he did in Panama. Hold it. Big Mouse. Grundla Saha and C4. Why are they on the subject list? Ivan. The Soviet government originated the program, then abandoned it in 1990, but the SWORD kept it running. The girl, C4, apparently had a natural resistance to the bioweapon, but there were side effects. Assad still uses her blood as a medium to create transgenic medicine for its operatives. Halfway up the mountain ahead, there's a brightly lit area. Considering we're under a global power outage, I'd say that's a fairly good indication of enemy presence. You and Delta should recon the sector ASAP. Somebody dropped that building in the wrong place. D'accord. Actually, that area was created okay. For tourists and Western diggers. Donc en fait, C4, qui est son dernier, enfin son élève, donc on l'a vu hein, quand elle était petite, a du coup été infectée elle aussi par le virus qui rend moche. Et c'est peut-être pour ça du coup qu'elle nous attaque. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'elle est vivante, parce que aux dernières nouvelles, en fait, il l'avait laissée pour morte. Et semble-t-il qu'elle ne l'est pas vraiment, mais du coup elle doit cacher quelques surprises elle aussi. Sinon le niveau là me plaît beaucoup. J'aime bien les niveaux comme ça d'architecture japonaise. Objectif, ouvrir la porte. Ah, il y a un filet, monsieur.
Regardez, c'est joli, putain. Des fois, le jeu, juste par une ambiance, arrive à faire quelque chose de pas mal. Hein. C'est quoi ça? Une étoile filante, faut faire un vœu. Je veux me faire encore un tatouage, si j'arrive à trouver de la place. Alors, ils ont l'air d'aller là. C'est quoi, ça? Fusil à pompe. Tiens, fusil à pompe, ouais. Tiens, on va changer ça. Ah, un petit fusil à pompe, vu qu'il commence à y avoir des bestioles badass. Je suis pas contre. Fall back. Sam, get a charge on it. Enemy fire! On our six! Ah, bah tiens. Alors, moi je dis une petite grenade. Oh putain, une petite grenade mal placée. Putain, mais les grenades sont tellement chaudes à lancer. Alors là, si lui est tombé dans la grenade, c'est vraiment parce qu'il l'a voulu, parce qu'il a avancé dessus. Hein. À la base, elle le touchait pas. Voilà. Allez, et puis le dernier, vous savez comment ça se passe. Oh, mais j'aime pas. Des fois, j'ai la petite animation qui est trop cool, où il les coupe en deux, quoi. Not even a dent. The hell is that thing made of? Captain! I found an opening. We can get in from here. Let's go. Tu regardes le en train de courir lui. Bim! Allez, tiens! Ah là, finalement c'est bien plus efficace. Pourquoi je me fais chier à utiliser les armes? Alors que regardez comment je m'y amuse là. C'est bien, c'est ludique. C'est efficace, c'est ludique, c'est mignon, en fait, c'est tout ce que tu veux. Il y a des mecs là-haut. Je peux pas les avoir? Non, je peux pas reculer, je sais pas ce qui... Voilà. On est à Yoshiwara, je sais pas quoi. Puck, voilà. Ok. La statue m'indique la voie. Ah mais merde, je croyais que c'était un copain. Je crois que le mec a eu les mêmes doutes que moi, c'est-à-dire on s'est regardé tous les deux pendant un long moment, façon de dire mais... T'es vraiment dans mon camp toi? Oh la hache. Ouais, je prends la hache. Ouais, la hache... Ah, ma petite référence malgré tout, hein. Plus c'est classe la hache. Voilà, ça lui donne un charisme pompier, tu vois. Et ça me rappelle que God of War sort bientôt et ça me permet d'avoir un... Tout petit aperçu, en moins pourri. Enfin, en plus pourri, du coup, oui, pardon. Essaye de pas. Trouve un autre chemin. Lui, non, mais lui, il insiste. Hein. Non, je vais l'ouvrir. C'est ridicule, putain. C'est tellement ridicule. J'essaye de pas me moquer, mais à chaque fois, je veux dire, le jeu est très ingénieux, en fait, pour te faire rire et trouver des trucs qui font n'impe, quoi. Y'a rien, là, je peux pas aller dans les placards, là. Ah. Was that a cat? Non. Not a cat. Oh merde. J'étais en train de me demander comment ils ont fait pour confondre ça avec un chat. Attends, je suis passé où là, c'est... Ok, parfait. Alors, ils ont... Il y a Jim qui essaye d'ouvrir la porte. Ils ont l'air moins compliqués que les espèces de zombies que j'avais avant. C'est quoi ça? Oh putain, attends! C'est la masse! Ah, la masse!
La masse, on va prendre la masse. Putain, voilà. Et là, encore une fois, il a refait une autre, son autre enchaînement quand il est face à un mur, quoi. C'est cool d'avoir prévu, d'avoir prévu plusieurs enchaînements en fonction de l'endroit où on se trouve. Ce qu'il y a, c'est que c'est trop... Enfin, tu le vois pas assez, quoi. Regardez, là, on aurait pu dire que j'étais... voilà, le jeu n'est pas très tolérant. On aurait pu dire que j'étais contre un mur, et pourtant, bah, il l'a pas accepté. Allez, tiens, ça y est, bon, j'ai l'arme. Il a pas accepté de me faire l'attaque, quoi. Ah, d'accord, en fait, le but ici, c'était juste de faire entrer les gars. Et putain, ça rame. Mais ça va, vous êtes habitués. Sinon, j'aime bien le niveau. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'ils ont foutu, les mecs? Putain, c'est pas vrai. Bon, je suis bien content d'avoir récupéré leur arme, par contre, elle a l'air vraiment puissante. Mais je commence à être... voilà, je suis fatigué par l'intelligence artificielle, quoi. Qui arrive à me surprendre, mais pas dans le bon sens du terme. C'était vraiment très très joli ce petit décor en arrière-plan. Ambush. Take cover. Oh putain, ils ont les lance-roquettes, mais stop. Putain, comment ils veulent que je passe hein. Merde, mais je fais comment? Mais je suis censé faire quoi? Attends, faut peut-être attendre. C'est souvent que le jeu te fait ça. Parce que... ah, moi je veux bien leur tirer dessus, mais alors je prends des risques. Ben voilà, je prends des risques de malade. Bon. Je suis censé faire quoi? Peut-être que si je tire sur le volcan derrière, il va rentrer en éruption et il va les cramer tous. Non? Non? Je fais quoi? Ah, ça y est! Ah putain! Oh mais merde, mais c'est tellement chiant ça! Genre, il y a plein de fois où le jeu te fait ça, tu sais pas quoi faire! Et non, faut juste attendre que... faut juste attendre! Il se passe quelque chose! Alors là, c'était évident que bah, je pouvais rien faire! Oh, 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 oh! Oh! Mais, putain! Je me suis fait pruner pendant la cinématique! C'est-à-dire, je suis sorti de la cinématique, bim! Je prends un obus, je sais pas pourquoi, allez, c'est gratis! Voilà. Alors, infiltré... ah d'accord, c'est sur le côté, bim. Allez. Ok, ouais, je me disais bien qu'on pouvait pas faire grand chose. Là, il y a genre un tank, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a quand même du monde, quoi. Alors, grenade max, munition max. Puck. Putain, l'arme, par contre, que j'ai chopé sur les ninjas, elle est genre ultra puissante, quoi. Oh mon dieu, c'est quoi cette affiche? Ah non, mais je sais pas, ce petit perso, enfin ce personnage là-haut ressemble vraiment à Shinji Mikami, ça doit pas être lui, hein. Ouais, faut dire que les lunettes et tout, mais c'est le style du Mikami, je trouve, mais voilà. Bon, écoutez, on est dans une petite ruelle, qui m'a l'air, ma foi, bien tranquille. C'est le moment de se stopper. Alors, regardez, il y a une porte bien fermée. On est bien, regardez, il y a un petit néon là, qui ressemble à l'enseigne d'un sex shop. Or que c'est un cinéma, effectivement, bon, c'est pas grave, on n'en est pas loin. Ouais, c'est bien, regardez, j'ai un petit distributeur, on va rester là, on va rester là. Voilà, petite gratte de nez. Ouais. Bon, allez, ben merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, et ça vous a peut-être autant surpris que moi. C'est vraiment chelou ce jeu, des fois. On se retrouve bientôt pour une autre aventure avec notre ami chauve et tatoué. Et russe, sur quoi c'est la caractéristique la plus dominante chez lui. Donc je vous fais des bisous, et puis bah, à très bientôt. Voilà, et puis encore merci.